Aujourd'hui, je vais vous parler des textos envoyés pour souhaiter la bonne année. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est bien parce que c'est gentil de souhaiter la bonne année. Ça peut apporter des bonnes choses. Est-ce qu'avec les textos, du coup, les gens s'appellent moins aussi, peut-être? Oui, ils s'appellent moins et il y en a qui répondent aux textos, mais il y en a d'autres, au lieu de répondre aux textos, ils appellent. Qu'est-ce que tu trouves mieux? Moi, je trouve que les textos, c'est mieux. Pourquoi? Ça use moins le crédit. Se souhaiter la bonne année, c'est une étape indispensable dans les relations entre les gens? Ça dépend. Ça dépend ce que pensent les personnes à propos de ça. Il y en a, ils disent peut-être ça sert à rien, et d'autres disent ça peut apporter de la chance ou autre chose. Moi, entre famille et entre amis, on se souhaite la bonne année parce que j'ai toujours fait ça comme ça. Et je sais pas, je trouve que c'est méchant si on me dit pas bonne année. Quelqu'un qui va pas te le souhaiter pour toi, c'est qu'il le fait volontairement, on doit le souhaiter? Pour moi, c'est pas sacré, mais c'est important de dire bonne année à quelqu'un.